Désolée, hein, et merci, c'est super sympa de votre part. Et merci pour les bières. J'ai pas eu le temps de faire les courses chez moi encore. Ah, c'est trop joli. Ah ouais, bah, si tu veux, on peut se tutoyer. Ah ouais, 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 carrément. Désolée, c'est encore les restes de mon éducation tradicato qui ressortent parfois. Enfin bon, pas de panique, je les ai reniés le jour où je me suis fait virer de chez mes parents quand ils ont compris que j'étais Gwyn. Enfin, j'arrive pas de chez eux là, hein. De l'eau a coulé sous les ponts depuis. J'ai 33 ans, enfin 40 bientôt. Non, je me suis éjectée de chez mon ex, qui est jalouse et possessive, et je supporte pas quand en plus c'est couplé à une espèce de mauvaise foi. Tu trouves pas? Enfin bon, désolée, tu sais tout en une phrase. Du grand Lucie. Oui, parce que je m'appelle Lucie. Et toi? Bah pareil, mais en arabe. Nour, ça veut dire lumière. Mais non. Mais si. Incroyable. À nous deux, va falloir sortir les scènes glacées. Tu fais de la musique? Mmh. Ouais, je suis musicienne. Mais non, professionnelle? Mmh. C'est mon métier, ouais. Trop chouette. Et je sais qu'on se connaît pas, mais ça te dérange pas de me jouer un petit truc? Bah ok, ouais, je vais sortir mes sunglasses. Salut, c'est Gabriel. Écoute, je voulais m'excuser pour la dernière fois. Je suis vraiment désolée. C'était très déplacé et bête. Et j'aimerais bien qu'on se voit pour en discuter, si t'es d'accord, bien sûr. Today I lost him. I lost my mind. Where have you been? Where have you been? I think I lost him. I lost you. Where have you been, my love? Where have you been, my love? This is beyond the sea. Merci, c'était trop beau. Bonjour Laura, comment ça va aujourd'hui? Je suis en plein pétage de plomb, et en même temps je me sens étrangement calme. Ce qui est peut-être la preuve que j'ai vraiment disjoncté. Il s'est passé quelque chose de particulier? J'ai couché avec Ophélie, qui est la copine de Rebecca, qui est ma copine, donc, comme vous savez. Et en fait, on a couché toutes les trois ensemble dans le même lit. Et surtout en même temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, je crois. Et donc maintenant, vous êtes à la fois calme et en pétage de plomb. En fait, je me suis juste rendu compte que cette Ophélie, elle est juste... super. Elle est vraiment super. Je peux rien lui reprocher à cette fille. Je comprends que Rebecca soit tombée amoureuse d'elle. C'est ça le pire.
Mais pourquoi pleurez-vous? Elles vous ont mise à l'écart? Non. Comment on va faire si on est toutes amoureuses les unes des autres? Bah ça, je ne sais pas. Il va falloir être créative. Créative? Pour inventer quelque chose de nouveau? De complètement nouveau pour vous? Quelque chose de complètement nouveau? Vous voulez dire son repère? Son GPS? Même pas Google Maps? Ah oui? Je sais pas si je suis capable. Si je suis prête. Laura, je sais que vous en êtes capable. Vous êtes prête. Si c'est là qu'est votre désir. Salut. Salut. J'ai fait des crêpes. C'est peut-être con, mais j'avais envie de les partager avec toi. Bah cool, hein. Non, mais va pas t'imaginer que je suis le genre de meuf qui s'incruste et qui se ramène chez toi tous les jours avec à chaque fois un nouveau prétexte bidon, hein. Non, mais c'est cool, en plus j'adore les crêpes. Ok. C'est vrai, non, mais j'ai vraiment un truc avec les crêpes. Okay. Vas-y, rentre. J'ai été complètement égoïste. Je te demande pardon. T'as dû être très déçu et tu dois m'en vouloir à mort. Je suis complètement lâche. Je tiens pas la route une minute. Je suis pas sûre que j'ai le courage pour assumer notre relation. Je me sens pas à la hauteur. Et je te vois si à l'aise, si déterminée, si libre, si sans calcul, simple, aimante. Et moi j'ai peur que tu me quittes parce que tu me trouves trop décrépit, usé, hors d'usage, laide. Vieille, quoi. Mon amour pour toi me rend fragile. Petite et tremblante comme une feuille. Est-ce que tu seras capable d'accepter mes peurs, mes lâchetés? Et ma rigidité. Personne, jamais et nulle part, ne peut dire qui vous devez désirer et avec qui vous devez faire l'amour. Votre désir vous appartient. Il n'y a que nous qui pouvons décider pour nous-mêmes. Êtes-vous prête à incarner votre puissance de femme? Reine, guerrière, sorcière et amante. Nous avons tout accès en nous à une force qui nous nourrit et nous protège. Je reçois aujourd'hui une invitée exceptionnelle, magnifique et magique.
j'ai envie de partager avec vous ce qu'elle a à dire sur la puissance des femmes. Merci Ruby. Yuliana, tu es sorcière et guide holistique, et tu aides les femmes à se connecter à leur puissance et à leurs désirs. Oui, surtout à s'accepter telles qu'elles sont, avec leur ombre et leur lumière. J'aide les femmes à trouver le chemin vers leur être profond, instinctif. Je suis sorcière car je veux réaffirmer le pouvoir des femmes à être elles-mêmes, à être libres de faire leurs propres choix. Les sorcières sont celles qui, libérées du patriarcat, font bouger les lignes pour changer le monde. Aujourd'hui, une femme qui est trop vieille, trop masculine, trop lesbienne, trop libérée sexuellement, ou qui ne veut pas d'enfants, n'est plus brûlée. Mais elle fait toujours l'objet de méfiance. Et nombreuses sont celles qui intériorisent la honte d'être ce qu'elles sont. Ma mission, c'est de prôner la liberté, l'indépendance, la tolérance. C'est de créer un monde où les êtres humains peuvent vivre comme ils et elles l'entendent. Un monde où la libre exultation de nos corps et de nos esprits n'est plus assimilée à une diablerie infernale, mais à la vie même. Non, les petites filles n'ont plus à être sages. Les jeunes femmes, plus à être dociles. Les femmes, plus à être faibles. Vous l'avez compris, femmes de tous les pays, exultons. Ça demande de l'audace, mais ça tombe bien, on en a à revendre. Elles étaient super bonnes, tes crêpes. Merci.